Et pour le 7 décembre, on a deux chakas. Coucou! Et oui, il existe en deux versions, comme vous pouvez le voir, avec les yeux ouverts et avec les yeux fermés. Bon, on va s'intéresser qu'à une seule des deux versions, c'est les mêmes. Mis à part les yeux qui changent, vous avez exactement la même chose qui est réalisable. Donc, pour le chaka, nous avons les épaulettes à l'instar du mou du bélier, les épaulettes qui sont directement imprimées sur le bras. Vous avez cependant la collerette qui se trouve ici, qui elle fait aussi un peu office d'épaulette. Cette collerette, vous avez un grand carré. Je vous conseille fortement de le laisser et de juste venir ouvrir devant et derrière afin de juste laisser paraître ces trucs-là. Comme ça, ça vous permet de coller la collerette sur le buste une fois que celui-ci est fait. Et avant de mettre la tête, au moins ça tient beaucoup plus facilement. Comme les autres, eh bien l'arrière des cheveux n'est toujours pas coloré. Et comme on me l'a fait remarquer dans la vidéo sur Saga, est-ce que je ne pourrais pas le faire avant? Alors là, il y a deux options. C'est-à-dire que soit j'imprime du jaune ici, côté verso, avant. Soit je récupère l'image du PDF. Je récupère ceci, je l'imprime en l'inversant, et comme ça, je peux le recoller à l'intérieur. Les deux options sont faisables. Moi, je vous présente les papercraft tels qu'ils sont faits. Donc, encore une fois, vous avez des petites mèches devant qui sont à mettre sur la face avant avant de coller la face avant sur la tête, bien entendu. Et vous avez ici le chapelet, puisque cette série des Chevaliers du Zodiaque se déroule durant le mur des Lamentations, pour ceux qui connaissent cette scène. Vous avez donc chacun avec son chapelet, mais vous avez la possibilité de le faire sans, bien entendu. Et encore une fois, nous avons les deux pages. Oui, deux, parce qu'en fait, il y a une page avec la tête yeux ouverts et une page avec la tête yeux fermés. Mais c'est exactement les mêmes. Donc encore une fois, vous avez en rouge les languettes que je vous conseille de retirer et en vert les languettes que je vous conseille de rajouter afin que celui-ci soit beaucoup plus facilement réalisable. Allez, à demain pour la suite.